Gros plan sur quelques-uns des millions de téléspectateurs qui ont suivi le premier bras de fer télévisé entre Barack Obama et Mitt Romney. Dans ce restaurant de Washington où s'est rendu notre correspondant, la plupart des clients soutenaient le président sortant au vu des applaudissements et des acclamations. Je pense que c'était un bon débat, dit cette femme. J'ai trouvé que Romney était plutôt suffisant. Il avait un sourire sur le visage, un petit sourire plutôt mauvais. Obama était lui-même, il est très sérieux, il fait très attention à ce qu'il dit. Je pense que le président a fait un excellent travail, ajoute cet homme. Je crois qu'il est à la hauteur et cela aidera les gens à prendre une meilleure décision concernant la personne à élire. Je pense qu'Obama a fourni beaucoup plus de détails, précise cet homme. Il était très réfléchi sur l'importance de créer une classe moyenne et quand il exposait sa stratégie. Alors je dirais qu'il a gagné. Un mot sur Romney, demande notre correspondant à cette femme. Un mot politiquement correct, j'en ai pas, répond-elle. I don't have one. Rira bien qui rira le dernier, souligneraient les partisans de Mitt Romney, alors qu'un sondage donnait leur candidat vainqueur de ce bras de fer télévisé.